Hey yo les amis, c'est Fred, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox. Alors aujourd'hui, pas de nouveau chapitre de Piggy, pas le chapitre 12, mais autre chose, peut-être un nouveau mode. Ça s'appelle Memory quelque chose, je sais plus trop. Bref, en tout cas, on va pas perdre de temps, on va directement essayer de découvrir ça ensemble. Mais du coup, ouais, le chapitre 12 n'est pas encore sorti. Pourquoi est-ce que... what? Attends, pourquoi est-ce que je... what? Attends, il y a un petit problème là, je pense. Nous sommes tous des Georges. Très bien, c'est Georges, hein, le petit cochon. Waouh. Ici c'est... mec, ça a l'air trop bien en vrai, ça a l'air beaucoup trop cool. Regardez comment c'est l'environnement et tout, genre tout est éclaté, genre on se croirait limite dans Stranger Things, genre c'est n'importe quoi avec ici des portails. Waouh, franchement c'est stylé de ouf. Du coup en fait c'est une sorte de Piggy chapitre 1, mais version hardcore peut-être, ou avec pas mal de changements, ou alors c'est le chapitre 12, sauf qu'on l'a appelé autrement, je sais pas trop. En tout cas, ça a l'air vraiment cool. Je vais pas tuer, je vais essayer de trouver une game qui vient de commencer. Parce que comme ça, bah, on saura un petit peu plus ce qui se passe. Parce que là, un peu perdu, je vais pas te mentir. Ok, on est dans une intermission magnifique. Ah, mais si! D'accord, c'est le chapitre 12. Distorted Memory. Ok, donc c'est bel et bien chapitre 12. Mais d'habitude, il met chapitre 12. Mais peut-être que là, c'est le tout dernier chapitre. Et que du coup, bah il aurait pu mettre chapitre final au final. Chapitre final au final. On adore. Mais en gros, sur le titre de la map, tu vois, il n'a pas mis le chapitre ou quoi. Du coup, bah, c'était un peu perturbant. Par contre, mettez pas le mode traiteur, les gars, sur la dernière map. Ça n'a aucun sens. Compliqué la vie. Je comprends pas les gens. Genre, c'est déjà, ça a l'air déjà compliqué. Voilà, traiteur mode. Super. Bon, très clairement, on aura la fin ensemble en live. Hein. Ça, c'est tout vu. Impossible de survivre longtemps là-dessus. Bon, en tout cas, on a la cinématique. Maintenant, ils ont voté le cirque. Mais putain, on a une super map de fou et ils votent le cirque. J'en peux plus. Ok, de nouveau, du coup, une intermission. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, ça me rend fou. Hein. Des fois, voilà, c'est pour ça que je sais plus pour quel chapitre de Bacon. J'avais galéré, mais à mort. Pour trouver une game sur le nouveau chapitre. Les gens, tu vois, il y a un tout nouveau chapitre qui a l'air ouf. Et au lieu d'essayer justement de le découvrir, de se dire, ouah, ça a l'air sympa quand même, Distorted Memory, c'est un truc de ouf. Et bah frère, regarde comme là, ils votent le cirque. Mais pourquoi les gars, enfin, pourquoi est-ce que vous votez Foreign? Je comprends pas leur logique. Donc voilà, là, je suis encore niqué. Voilà, j'arrive pas à trouver de game. Insupportable, les gens. Bon, on est encore dans une intermission, s'il vous plaît. Faites que je tombe sur des gens, mais un minimum sympa. Voilà, voilà, il y a un dernier chapitre. Voilà, eux, ils ont compris, tu vois. Eux, ils sont comme moi, ils ont envie de tester le dernier chapitre. Ils ont pas envie d'aller dans le chapitre 8, gros, qui est sorti déjà depuis des semaines et des semaines. Ça n'a aucune logique. Bon, on se calme, nous allons enfin pouvoir découvrir Distorted Memory. Par contre, le choix du mode, s'il vous plaît. Ne choisissez pas le mode traiteur. Prenez mode joueur, tranquille. Par contre, j'espère juste ne pas être Piggy, s'il vous plaît. Pour ma découverte, je ne veux pas être Piggy, mais car ça met... Bon, limite un bot, je préfère, tu vois. Player plus bot. Oh, les gars, non, mais... Oh là là, mais non, mais regarde, player plus bot. Player plus bot, les gars, genre comment est-ce que vous voulez découvrir une map? On va voir un bot plus un joueur. Ils sont infâmes les gens, je sais pas comment est-ce qu'ils choisissent leur truc. J'en sais rien, mais franchement c'est fatigant. Mais bon, cinématique. Du coup nous avons le petit Georges qui se réveille dans la maison. What, c'est quoi ce cauchemar? Penny, est-ce que tu es réveillé? Penny? Ok. Ça a l'air vraiment pas mal du tout en tout cas. Et nous voilà du coup arrivés parce que Penny a pu aller. Ok, là on commence. Par contre ça va être tellement autre chose. Mais ouais, mais regarde, je connais même pas la map et on va voir deux Piggy en face. Sérieux, dont un bot qui est surabusé. Mais bon, on va essayer. Du coup, il y a une prison en bas. Ouah, ça a complètement changé. Hein. C'est vraiment, vraiment énorme avec tous les trous dans les murs comme ça là. On voit qu'il s'est passé des choses ici. C'est très intriguant. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est un truc de test depuis le début? Est-ce que la maison en fait c'est relié à une prison où sont enfermés des cobayes? Je sais pas. En tout cas, c'est assez impressionnant. On va essayer de faire un minimum de choses. Hein. Ça va pas être facile, je vous le dis. Mais on va essayer, on va essayer. Regarde, hop, il y a une piggy en bas, il y a une piggy en haut. Oh là là, l'enfer, l'enfer. Ok. Petite clé bleue ici. Hop. Piggy va essayer de m'avoir, c'est ça? Les deux. Vas-y, hop, je tombe ici. Player plus mode. Vraiment, la logique, je sais pas trop. Clé à molette. Qu'est-ce que je prends en premier? La clé à molette ou d'abord la clé bleue? C'est une très bonne question. Bah voilà, bah, justement, parfait. La clé bleue, tu vois, ça permet d'ouvrir ça. C'est quoi ça? C'est un trou? Ok. Enfin, c'est très intriguant. Je vais essayer, pourquoi pas, d'aller rechercher la clé à molette. Parce que la clé verte, du coup, bah non, tu sais quoi, je vais prendre la clé verte en vrai. C'est quoi, enchaînons les étapes. Voilà. Il n'y a pas moyen d'aller en bas. Donc, ce qui fait que c'est plus compliqué pour les déplacements. C'est plus petit, j'ai l'impression. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on a deux Piggy en face. Donc, c'est déjà plus compliqué de se déplacer. Et on a deux Piggy. C'est génial. Ok, hop, il y a les gens qui arrêtent pas de se faire tuer. C'est incroyable. Ok, clé rouge ici. Je crois que c'était pour une cellule de prison. Si je descends en bas ici. Ok, là, clé violette. Clé orange. 100% c'est un bot, 100% c'est un bot celui-là.
Voilà, c'est dégueulasse. Mais quelle idée aussi. Mais quelle idée d'avoir voté ça. Je les comprends pas. Regarde, du coup, la game est finie alors que je commençais déjà à faire des trucs plutôt sympas. Voilà, ça, tout le monde se fait enchaîner. Bah ouais, mais bien évidemment. Je rage. Mais c'est normal. Genre, pourquoi voter des players plus bots, frère? Alors que c'est une map que personne ne connaît, qui a l'air déjà d'être compliquée. Mais non, ce n'est pas suffisant. Soit bot, soit player. Non, player plus bot. Voilà, et game over. La game a duré 2 minutes. Bravo les mecs, hein. Franchement bravo, hein. C'est pas étonnant. Bah non, quand tu fais des choix de mode aussi pourris, ce n'est pas étonnant. On a revoté le chapitre 6, je leur ai dit no bot plus player. Ils savent que je suis youtubeur, donc ça va peut-être jouer en ma faveur pour le coup. Pas mal. Donc voilà, là on va pouvoir faire une game normale, mode joueur, chapitre final ou pas, je sais pas. Ok, nous voici dans la game, c'est magnifique, c'est parti. Du coup je perds pas de temps, on va essayer de récupérer un objet très rapidement. On va descendre ici, tac, tac, tac. Et ok, voilà, c'est ça, hein. Le cadenas rouge, c'est bien en bas. Ici, une clé violette, mais c'est pour le petit coffre. Là, il y a la clé à molette. Ok, on avait la clé violette, là, on a la clé à molette. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Alors, clé à molette, c'était pour où? Pour ici, déjà. Voilà. Oh, oh mais non, mais j'ai vraiment pas de chance. C'est quoi ce karma de merde? J'ai pop sur elle, mais non, mais sérieux, mais c'est quoi cette malchance? Oh là là, je suis dégoûté, mais non, mais j'ai vraiment un karma dégueulasse, hein, c'est insane les amis, vous vous rendez pas compte, j'ai un karma, mais il pue la merde, on me pisse dessus. Bon, je suis revenu dans une game qui a déjà commencé, c'est pas, on va finir par y arriver, hein, c'est pas possible. Franchement, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe là, hein, ce mauvais karma. Alors, je vois que la cellule cadenas rouge n'a pas encore été débloquée. Je pense qu'ils ont quand même déjà fait les premiers trucs, hein, je suppose. Quoique, quand tu regardes ici, la clé à molette n'a même pas encore été utilisée. Donc je peux essayer de la retrouver. En fait ils ont presque rien fait, j'ai l'impression. Ok, mais j'entends des bruits, ils sont en train de faire quand même des trucs. Mais en gros, cadenas vert toujours là. Est-ce qu'ils ont ouvert au moins le cabanon? Cabanon toujours aussi avec le cadenas. C'est bizarre, comment ça se fait qu'ils ont fait si peu de choses en 3 minutes, même un peu plus d'ailleurs. Ok, peut-être parce qu'ils meurent assez rapidement. Je sais pas, peut-être qu'ils ont choisi un bot. Donc il faut aussi la clé à molette ici. Je vais aller en haut, je vais essayer de trouver des clés ou quoi. Ici, dans la salle de bain, il n'y a rien à récupérer. Ici, c'est quoi ça? Ok, c'est juste le couloir avec la planche. Je vois, c'est pas mal. D'ailleurs, on débloque un nouvel endroit qu'on n'a jamais vu. Et il faut 2 objets, une sorte de dinosaure en plastique et de robot. Certainement les objets de sa sœur ou ses objets à lui. Enfin, ses jouets plutôt. Hop, alors où est-ce que je peux trouver une clé? Ils ont déjà sur eux, à mon avis, je pense. Hein. Parce que là, je vois vraiment rien qui peut m'aider pour l'instant. Ici, peut-être, à ce moment-là. Non, pas du tout. Ouais, je peux rien prendre là, c'est chiant. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font, hein. Wow. Vas-y, on va voir en bas. Ok, il y a une clé bleue en bas. Elle avait pas encore été utilisée, la clé bleue, vu que c'est pour le cabanon. Merde, t'aurais pas dû venir avec. Ouah, il y a un raccourci ici, par contre. Stylé. Et là, on arrive dans... What? Dans le garage, ok. Dans le garage, là où il y a la clé violette. D'ailleurs, au passage. Ok, il faut vraiment... Et la clé orange. Bon, on sait que le garage, il y a aussi 2 clés à récup. Mais je vais d'abord essayer de m'occuper du cabanon. Et ensuite, je pense que ça me débloquera la clé verte ou pas. Si ça change, je sais pas. Mais comment pour remonter? Vite, 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 vite. On se dépêche. J'aille dehors. On passe par la fenêtre. Tel un voleur. Hop. Voilà, magnifique. Le petit cabanon. Et en effet, la clé verte se trouve bien ici. Je la prends. Et le marteau aussi, au passage. Tu sais quoi? Je vais d'abord prendre le marteau. Et on viendra récupérer la clé verte après. On va faire ça. On se dépêche. Je crois que c'est un bot. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un bot, la piggy. Vas-y. Attends. Plutôt passer par le milieu. Perdons pas de temps. Le temps est précieux, vous le savez. Alors, les planches. Voilà, on les enlève. Non, je t'en prie. Ok, c'est chaud pour moi, c'est chaud. C'est un bot, c'est clairement un bot. C'est des déplacements de bot, ça. Ça se voit. Vas-y, je ferme la porte. Ouais, c'est un bot. Je crois que c'est clairement un bot. Les planches sont enlevées, magnifique. Hop, on va essayer de la semer. Voilà, on ferme la porte ici également. Il me faut la clé verte, hein, qui est dans le cabanon pour débloquer le cadenas vert. On va repasser par la fenêtre ici. Hop. Si elle devine que je suis là dans le cabanon, c'est clairement que c'est un bot. Pas censé savoir forcément que je suis là. Ok. Est-ce qu'elle arrive ou pas? Je pense qu'elle a... elle fait un autre chemin. Pas du tout. Vas-y. Hop, cadenas vert. On prend la clé rouge. Il faut que j'aille avec la clé rouge au niveau de la cellule de prison. Donc il faut que je redescende d'un étage. La clé à molette ici, bah, elle est là en fait. En vrai je pense que c'est faisable, hein. C'est vraiment faisable. Voilà, petit coffre ici. Là t'as le code. Le petit code pour en haut, bien évidemment la porte finale. Il y a clairement moyen d'y arriver, je sais pas si Piggy peut venir jusqu'ici. Je vais réussir à voir la fin, je sais pas. On va aller mettre le code, ensuite on reprendra la clé à molette. Ce qui est cool c'est qu'il y a le trou.
qui nous sert de raccourci un peu. Regarde, tu vas ici, tac, tu redescends en bas direct. No time. Ok, je l'ai bloqué dans la porte. Parfait, j'ai eu chaud aux fesses. Je vais redescendre ici. Bah, je peux prendre ça au passage. Voilà, elle va pas me lâcher, hein. Elle va pas me lâcher, la piggy, là. Je passe par là, tac. On arrive de nous. Oh merde, je me suis fait coincer. Oh putain, non, c'est bon, j'ai réussi. Ouh, chaud. Elle me suit. Aïe, le danger est présent, il faut que j'arrive à me barrer. Non, pas par là, j'ai failli faire une bêtise. Ouh, putain, j'ai chaud. Oh merde, ça se voit que c'est un robot. Yes. Faut que je remonte en haut. Je ferme la porte, hop. Ok, là c'était chaud. Oh bah c'est déjà là. Non merde, je suis tombé. Non, pitié. Oh non, putain. Non, la sortie est juste là. Please. Ok. Tranquille, ça va le faire. Je pensais pas que ça allait déjà être ouvert, hein, la porte de fin. Je pensais pas, il reste 1 minute 39. Putain, mais pourquoi est-ce que je me tape la piggy bot? Je dois aller par là, je crois. Ouais. Ok, tranquille. Allez. Hop. Et attends, non, pas par là. Et c'est bon, les amis. Yes. Voilà, on se barre direct. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas réussi à faire un chapitre et le terminer direct. Penny, où est-ce que tu es? Is something wrong? Il se passe quelque chose? Est-ce que tu vas bien, grande sœur? Ah, mais c'est elle, Piggy, depuis le début? Non, attends, reviens. I don't feel too well. Je ne me sens pas bien ou je le sens pas? Non, pas maintenant. What? Et il se réveille. Et c'est fini. Waouh. Est-ce que c'était un cauchemar depuis le début ou pas? Il commençait à devenir genre maléfique. Et en plus, sa grande sœur, on dirait vraiment genre Piggy, tu vois. Donc ça tombe, ça vient de là, je sais pas. En tout cas, énorme. On a réussi du coup à avoir la fin du chapitre 12 de Piggy. Et ben, tous ensemble en vidéo. Ça faisait longtemps, mais on a réussi. Du coup, je suis content. Ça a mal commencé parce que j'arrivais pas à trouver de game, etc. Et là, ça a super bien terminé. Du coup, bah, les amis, je compte sur vous pour faire exploser un maximum la barre des likes pour cette fin. Du coup je pense pas que ce soit la fin de Piggy. Et tant mieux, tu vois, il y a encore d'autres petits trucs qui vont arriver. Donc je suis content, ce n'est pas la fin de Piggy. Donc yes, on a encore d'autres chapitres à faire. Et ça franchement c'est ultra lourd. Abonnez-vous aussi en masse à la chaîne pour cette fin incroyable, à la chaîne principale juste à côté. Vous checkez deux de mes autres vidéos. C'était votre bon Yofrid, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.